Okay? And roll camera, open the door. Le Valdivier prend des airs de Bollywood. Pour son premier film, Fever, le réalisateur indien Rajiv Javeri a choisi un tournage 100% suisse. Après l'Oberland bernois, le Chablais l'a séduit. Champéry, Champoussin et Valdivier ont de belles montagnes et de jolis villages d'altitude. En plus, il y a peu de monde. Alors, ça convient très bien à l'histoire de mon film. Ça lui apporte une touche singulière. Après une demande à la commune de Port-Valais et Valais Tourisme, les producteurs de Bombay ont reçu une assistance logistique non négligeable. L'hospitalité et la générosité des gens de la région ont fait le reste. Action ! On va tourner dans un chalet, on sonne à une porte, les gens nous accueillent volontiers, on fait une séquence sur leur parvis, on fait une séquence... Donc partout où on a été très 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 bien accueillis et c'est vrai que ça joue un rôle énorme. Mais la présence indienne dans le Chablais fait écho à un autre film tourné dans la région en octobre 2012. Une grosse production russe était tombée sous le charme des bateaux de la CGN. Conscient des bénéfices d'un tel tournage, le Valais avait déjà démontré sa réactivité. Nous avons dû nous organiser au niveau du canton pour accueillir 80 personnes en provenance de Russie avec des visas, des permis de travail pour tourner pendant environ 6 semaines. C'était estimé qu'il y avait 750 000 francs qui étaient dépensés dans le Valais et 350 000 francs à Port-Valais. Une aubaine bienvenue pour les commerçants locaux. C'était comme un mois d'octobre, que c'était pas beaucoup de monde, c'était des mois plus calmes. On a eu quand même cet événement, qu'on a quand même rempli l'établissement. L'idée a donc fait son chemin, celle de créer une plateforme valaisanne de soutien financier à des productions étrangères. Un groupe de travail est né en février pour réfléchir aux conditions de sa mise en œuvre. C'est une sorte de base légale qui sera soumise au Grand Conseil afin de pouvoir avoir une subvention pour attirer des productions de films étrangères et aussi d'avoir un guichet d'entrée où toutes les informations sont à disposition. Aujourd'hui, l'équipe bollywoodienne profite des prémices de cette future plateforme et déjà, c'est l'image d'un Valais positif et attractif qui s'exportera. Les gens ici sont très chaleureux, toujours prêts à aider. Ils ne pensent pas au profit, ce qui a rendu le tournage très convivial. À terme, le canton espère attirer d'autres films. Des nouveaux producteurs indiens seraient déjà très intéressés à tourner dans nos vallées. Action! मारे लिया किसी और के लिए बॉडी को ठिकाने लगाना कोई बड़ी बात नहीं है।